quand je travaille l'illustration, c'est un peu la vision du futur que je me fais aussi. Mais ça sera sans doute pas ça, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'aimerais bien aller voir un petit peu ce qui changera, quoi, par rapport à ce que moi je fais, ou l'idée que je me fais du futur. C'est pas forcément uniquement un futur technologique auquel je pense, mais moi ce que je représente, c'est un futur technologique. Je représente uniquement un aspect des différents futurs qui peuvent avoir lieu. Ben, pour ce qui est par exemple d'une couverture, bon, moi j'ai déjà la description, enfin la description très succincte en général de l'auteur. Au niveau des détails, les auteurs rentrent rarement dans des points de détail, mais il y a le contexte du bouquin déjà qui m'oriente pas mal. Et puis après, moi je délire après là-dessus, quoi. Sur la forme d'un vaisseau spatial, par exemple, j'essaye de coller le plus possible avec la technologie du bouquin, ou tout au moins ce qu'il a voulu décrire. Et bon, là, c'est là que moi je rentre en jeu, quoi. Bah, j'ai un stock de documentation, j'en ai pris un petit paquet, et puis j'ai commencé à les regarder les uns après les autres, en essayant de trouver des formes qui s'adaptent à l'idée que je me faisais de la technologie du vaisseau spatial qui était décrit dans le bouquin. Le petit vaisseau qui est en l'air, c'est parti d'une carlingue d'avion. Il y en a une qui m'a plu, je suis parti là-dessus, je l'ai modifié, je l'ai amélioré, enfin amélioré, je l'ai modifié. Bon, ce qui est agréable quand je travaille avec des scientifiques pour des boulots de commande, c'est le fait d'avoir accès à une documentation, de travailler éventuellement avec eux de temps en temps. Et d'avoir accès à cette documentation, ça me permet de la réutiliser dans l'illustration de science-fiction. Ben, je sais comment marche une fusée, je sais comment marche un avion, je sais quels matériaux sont employés, je sais les performances des différents types de véhicules. Je connais l'évolution aussi au niveau de la recherche, des premiers avions, et puis comme la façon dont ça a évolué, tout ça, je crois que ça rentre en jeu. J'essaye de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, enfin du schéma classique, poste de pilotage à l'avant, réacteur à l'arrière. Mais je pense aussi que, enfin, ça semble sans doute très plausible actuellement. Mais je pense que dans une cinquantaine d'années, les gens vont être pliés de rire en regardant ces illustrations, quoi. Ils les prendront peut-être très kitsch, comme actuellement on prend les illustrations du rayon fantastique kitsch, quoi. Donc moi j'aime bien filer, attaquer quelque chose et le finir d'une traite, quoi. Avec de temps en temps un peu de recul. Mais quand je commence par exemple un personnage, j'aime bien le terminer dans la foulée. Il y a certaines images que je réalise où j'aimerais bien me balader, quoi. J'aimerais bien voir cette planète sur laquelle je travaille, avec le gros vaisseau échoué, l'arrivée du vaisseau un peu plus gros derrière, planète un peu désertique, un peu ventée. Je pense que le voyage dans l'illustration, il se fait vraiment à la création. Bon, après ça, il y a quelques petits détails qui reviennent, mais je pense qu'au moment de la réalisation, c'est plus le côté technique qui prend le dessus, quoi. Bah, j'aime bien l'art science, donc qui se base sur de toute façon, tout est lié. Je veux dire, ma passion pour les sciences se retrouve forcément dans le choix de lecture. Donc j'ai tendance à prendre effectivement des bouquins de art science. Éon, éternité. C'est Greg Bear. Ben, parce que c'est vraiment un bouquin fou, quoi. Très, très hard science, mais en même temps qui développe un imaginaire complètement délirant, quoi. Et qui tient debout en plus. Les romans qui ne sont pas hard science, je les lirai avec plaisir, j'y trouverai un intérêt, mais au contraire de l'illustration, je ne pourrais pas faire une illustration autre que hard science. Enfin, j'aurais du mal. Si on me demande de dessiner un champ de fleurs, ça va me poser des gros problèmes, quoi. En science-fiction, l'illustrateur que je préfère, c'est Christopher Frost. Parce qu'il a dessiné des vaisseaux spatiaux, il les a colorés, et puis il a franchement des ambiances qui sont extraordinaires.
Je pense que le fait d'être, enfin de se dire artiste, enfin d'être artiste, c'est ça quoi. C'est arriver par moment à faire passer quelque chose, à communiquer quelque chose. C'est la petite différence quoi. J'évite l'aérographe. Il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, l'aérographe est un petit peu lourd d'emploi. Faut nettoyer, faut le compresseur, faut masquer, faut faire tout un tas de choses qui cassent un peu le rythme. Je pense que travailler au pinceau, ça donne un côté beaucoup plus dynamique. Et ça se rapproche aussi également de la technique de peinture des illustrateurs beaucoup plus anciens. Des gens qui peignaient sur toile, qui peignaient à l'huile, par touches de couleur. Non, je pense que l'aéro a tendance à casser un peu la nervosité du dessin. J'ai une certaine attirance pour les peintures, la musique dite romantique, fin 19e. Je pense que les orientalistes en font un peu partie. On passe des années à bosser tous les jours à essayer d'améliorer la technique. Par moment, c'est assez bref, mais par moment, les choses se passent, ça vient d'un seul coup tout seul. C'est clair, la touche de couleur va se poser au bon moment, ça va aller très vite, c'est le pied, quoi, c'est le bonheur. Tout s'amène, tout tombe bien, il n'y a pas besoin de travailler, de remuer la peinture, c'est juste quelques coups de pinceau, la touche de couleur, et hop, la lumière est bonne. Il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Et puis le lendemain, ça, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus cette magie, quoi. Mais quelquefois, oui. Ça, c'est franchement pas mal, quoi. Cette année, ça m'est arrivé relativement souvent. Enfin, je l'ai senti relativement souvent, plus que d'habitude. Alors ça, c'est peut-être l'accumulation de techniques aussi qui rend possible la chose. Et je pense que c'est. On le ressent plus avec la peinture à l'huile. Ça fonctionne mieux. Ça va beaucoup plus vite, ça. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose dans la matière, la souplesse, qui fait que ce moment-là, il arrive peut-être un peu plus souvent avec lui. On a envie de retrouver ce truc-là, quoi. Donc ça pousse encore plus à bosser. Et là, en ce moment, c'est plutôt pas mal, parce que je fais que de l'illustration de bouquins, donc tous les jours, je fais le même type de boulot, et ça a tendance à se reproduire plus souvent, quoi. On a envie d'y retourner, il y a un petit goût de reviens-y.